Hein, tant qu'il y aura des bavures policières, on va brûler toute la ville, bande de bâtards. Hein, c'est signé à Nières, les Frayssinais, bande de fils de pute. Voilà, on est au quartier des Frayssinais à Nières-sur-Seine. Mercredi dernier, il y a un jeune, il s'appelle Yanis. Il s'est fait percuter par la police ici, là. Filme. Ça va. Ils sont arrivés, ils ont chassé un mec en scooter. Ils sont arrivés par là. Et comme il est rentré dans le passage piéton, ils ont dû faire demi-tour, ils sont arrivés de l'autre côté. Ici, on n'a même pas le droit de stationner ni de conduire. La voiture, elle arrive à fond. Elle a déposé deux collègues là-bas. Les jeunes, ils sont sortis pour partir, pour éviter le contrôle, puisqu'ils savent que ça part en débordement à chaque fois. Ils sont arrivés à fond, en fond deuxième, à 40 km/h. Ils l'ont heurté par derrière. Il a fait un saut de plus de 2 mètres en l'air. Il est retombé brutalement sur les hanches, sur la tête aussi. Il a eu un traumatisme crânien. Il a perdu la mémoire sur le coup. C'est le maire qui envoie la police municipale. Il y a toujours eu des bavures policiers. Il y a toujours eu plein de problèmes. C'est à cause du maire tout ça. Et à la fin, dès qu'il y a ces problèmes, il ne souhaite même pas s'exprimer. La moindre des choses, c'est de s'exprimer. Tous les jours ici, dès qu'on doit aller lire, il vient, il nous serre la main, il rigole, il nous promet des trucs. Au final, il fait rien du tout. Le monsieur le maire, là, parle pour vous. Un mec, il s'est fait chasser en scooter. Le mec, il est rentré aux fraises. Les condés, ils ont eu le seum. Ils n'ont pas réussi à le péter. Ils ont cartonné un mec. Le mec, il a essayé d'esquiver. Ils ont fauché. Maintenant, le mec est parti à l'hôpital. Et là, maintenant, c'est la partie 2, ma gueule. Nous, on n'est pas des enfants ici. On n'a pas cessé à battre, on n'a pas cessé faire. On est là, on a grandi la cité. Ici, tous les jours, on s'était maltraité par les Condés. Et ben, nous, on n'est pas des bouffons, nous. Nous, on n'est pas des bouffons. Maintenant, c'est la revanche, maintenant. Maintenant, c'est à nous de montrer on est qui, nous, maintenant. On commence à avancer, on était dos. On entend le moteur, il arrive à fond. Pas. Ils l'ont cartonné de dos. Hassoul, le mec, il a fait 2 mètres de haut. Il est tombé. Il fait des confessions par terre, tout ça. C'était des keftas à la mému. Il n'a rien fait. Ils n'ont rien fait. Il n'a rien fait du tout. On marchait. T'aurais pu être moi comme lui, se tomber sur lui. Alhamdoulilah, il n'a rien maintenant. Mais voilà, ils ont fait de la dinguerie. Il aurait pu mourir. Voilà, il aurait pu mourir. Tu vois, sur le coup, là, je croyais qu'il était mort, le poteau. Le corps. Et les pompiers, ils ont continué d'aller. Voilà, les pompiers, ils ont mis 15 minutes à venir alors qu'il y avait un petit 50 kef au bout de 5 minutes. Et ces menteurs, ils disent qu'ils ont fait les premiers soins, c'est faux. Ils n'ont fait aucun soin. Ils l'ont secoué encore au sol. Ils ont menti à la daronne, ils ont dit comme quoi qu'ils ne pouvaient pas se faire contrôler, tout ça, alors que rien à voir. C'est fou. Ils ont cartonné à 50 et même ils n'ont pas fait exprès, ils sont sortis, c'était comme des fous. Voilà. Il y a Sofiane Tahlamimi. Voilà, c'est Sofiane Tahlamimi aussi. Ça veut rien dire, c'est pas fait exprès, c'est fait exprès. Voilà, c'est des pires. Franchement, le rapport entre les jeunes et la police, franchement, c'est complexe. Hein. Franchement, on a du mal à s'entendre. On a du mal à s'entendre parce que, voilà. Il y a des inégalités, la police ils font des choses qui sont pas très correctes. Voilà. Et c'est un truc, c'est inadmissible. Ça aurait pas dû se passer. C'est pas normal que des agents de la police en bleu marine ils viennent, ils cartonnent un jeune. Le jeune il a failli mourir. Son crâne il a tapé le sol. Et que voilà. L'affaire elle reste sans suite. Rien, il n'y a pas de. Il se passe rien, c'est pas normal qu'il se passe rien. C'est pas parce que c'est des personnes qui sont en. Des agents que voilà, qu'ils ont le droit de tout. Ils ont pas le droit de tout, c'est pas normal. Franchement, faut. Ce que je pense des émeutes, c'est voilà, c'est que franchement, des fois, on peut. Les gens peuvent juger, les gens peuvent dire que c'est bête de faire des émeutes. Parce que c'est vrai, c'est nos parents, ils habitent dans les cités. C'est les voitures de nos frères et sœurs, de nos parents qu'on brûle. C'est nos parents qui payent les charges qu'on détruit, c'est vrai. Mais c'est une manière de se faire entendre aussi. Parce que tant qu'on casse pas tout, tant qu'on crie pas, les gens ils nous regardent pas, les gens ils nous écoutent pas. Et franchement, voilà, c'est une manière de se faire entendre. C'est bête, hein. Franchement, c'est triste. Mais c'est comme ça et ça restera toujours comme ça. On en veut plus aux maires de la ville qu'aux agents municipaux, qu'aux agents nationaux, de la nationale. Parce que quand il se passe ce genre de trucs, ces bavures-là, là, le maire derrière, il prend pas de décision, il fait rien. Il est toujours là à venir nous amadouiller avec des parties merguez quand c'est les élections, nous promettre des trucs, mais il fait jamais rien. Quand il se passe ce genre de trucs-là, il fait jamais rien. Par exemple, là, l'affaire Yanis. Le jeune, il se fait cartonner, son crâne, il tape le sol, il convulse au sol, et voilà. Le maire, il ne s'exprime pas à ce sujet-là, il prend pas de décision. Nous, on est là, c'est normal. Faut pas que ça soit banalisé, tout ça. Faut pas que ça soit banalisé. Parce qu'un jour, ça va aller loin. Ça va aller vraiment loin.
Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Eh, nous, ce qu'on veut, frère, c'est la justice. Mais comme la justice, elle veut pas nous la donner, on va se faire justice soi-même. Voilà.